Et alors Bruno Solo, vous êtes un vrai passionné d'histoire, comme notre invité inattendu ce matin. Il s'appelle Clovis Dussax, il est prof d'histoire au collège Stéphane Bern de Versailles. Et Clovis, c'est un professeur un petit peu original. Original, voilà, tout de suite Thomas, mais pas du tout. J'essaie juste de faire vivre l'histoire dans mes classes pour que le jeune se sente impliqué. C'est juste bien, ça. Non, bien sûr, enfin, vous avez quand même reçu 14 blâmes du rectorat en 2 mois. Pour mise en danger d'autrui, ça fait beaucoup quand même. Non mais ça c'est rien, c'est parce que j'ai fait la Seconde Guerre mondiale là avec les 5e B. Ok, mea culpa, c'est de ma faute. L'obus de 300 kilos allemand, j'aurais dû le désamorcer avant de l'emmener en classe. Mais au moins ils sont contents au ministère, j'ai fait sauter une classe à tout le monde. Ça a pété quoi. Vous voyez que c'est quand même dangereux cette histoire. Non mais vous croyez que c'est pas dangereux quand les jeunes ils passent 10 heures par jour sur TikTok, hein? C'est pas plus dangereux qu'un obus allemand de 300 kilos. Non, au moins ça les intéresse. Ça les intéresse, les momies sont à fond dans la Seconde Guerre mondiale. Un peu trop d'ailleurs, parce que la semaine dernière, ils ont tondu une de leurs copines de classe juste parce qu'elle avait un correspondant allemand. Je leur ai dit mollo, les petits là. Et donc, vous faites des cours immersifs, hein, c'est ça le principe. Exactement. Hein. Là, en septembre, on a fait la Première Guerre mondiale. Je leur ai fait creuser des tranchées dans toute la cour. Je peux vous dire qu'on. Non, mais on s'y croyait. J'avais des redoublants de 3e. Je les appelle mes poilus à moi. Et ben, le petit Yanis, pas très dégourdi, il a mal lancé sa grenade et ben, on a dû interrompre le cours. Quoi. Attends, c'est une vraie grenade? Oui, mais ça va, c'était une demi-char. Thomas, bon alors, ça lui a peut-être pété les deux tympans, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui Yanis, il se souvient de la date de l'armistice, ça c'est sûr. Ah oui, c'est vrai, c'est une façon ou une autre, comme une autre d'apprendre hein, finalement, mais la mise en examen c'est encore autre chose. Ouais, bon ça c'est la révolution française. Qu'est-ce que vous avez fait? Écoutez, moi je suis à fond, j'ai bossé toute la nuit avec le prof de techno, on a monté une guillotine dans la cour, on a fait l'échafaud grandeur nature, et je peux vous dire que les gosses à 8h du matin, ils sont intéressés à la révolution française hein. C'est super, je comprends pas pourquoi cette mise en examen. Et ben, en fait, pour que ce soit réaliste, j'ai demandé à Marie-Claude, la prof de biologie, de se déguiser en Marie-Antoinette. Alors, bon, ma Marie-Claude, je l'allonge sur l'échafaud, je l'entends encore me dire « T'es sûr, Clovis? Je mets ma tête ici, c'est sans risque, la lame va pas tomber !» Mais non, Marie-Claude, t'inquiète pas, j'avais mis la petite vis de sécurité, quoi, pour pas que ça tombe. Donc là, tous les gamins dans la cour, ils sont à fond, ça hurle, ça crie « À mort, la salope d'Autrichienne !» Oh, j'étais choqué, vous vous rendez compte? Il se rappelait qu'elle était autrichienne. C'est génial, non? Donc là, je dis à la petite Juliette de venir, de tirer la corde pour faire comme si on allait faire tomber la lame. Et croyez-le ou non, Bruno, qu'est-ce que je sens dans ma poche à ce moment-là? La petite vis de sécurité. Oh la Marie-Claude! Eh ben maintenant elle est comme son prénom, elle est en deux parties, il y a Marie et il y a Claude. Ah oui, d'accord, ouais. Je comprends mieux du coup la mise en examen. Ouais, forcément. Mais bon, le prof d'art plastique Sylvain, super sympa, il est arrivé hyper vite, il a essayé de me la bricoler avec sa colle à bois là, et puis il n'y a rien à y faire. Hein, non, non bah, je vous jure, l'histoire c'est pas facile tous les jours. En tout cas, Bruno, bravo, votre bouquin est top, je l'ai filé à toute ma classe, ils vont le lire pendant les vacances, et puis moi je dois filer parce que je dois préparer ma prochaine reconstitution. Ah oui, c'est sur quoi? Oulala. Je fais Jeanne d'Arc. Oh d'ailleurs, est-ce que quelqu'un peut jouer Jeanne? Parce que j'ai personne. Je me disais, Anissa, si vous êtes dispo. Oui, non, je ne crois pas. Ne vous inquiétez pas, avec la flotte qui tombe, le bûcher ne va jamais prendre. Oui, bien sûr. Allez, bonne merci, journée. Merci, Pierre-Antoine Damcourt. On peut dire.